L'homme au sol est sur le point de mourir, touché par balle par un policier new-yorkais. Un peu plus tôt ce mardi matin, Kelvin Peters, 50 ans, s'est introduit armé d'un couteau dans une synagogue orthodoxe de Brooklyn. Le lieu héberge une école talmudique. Peters a alors poignardé très grièvement un étudiant israélien à la tête. Alerté, la police de New York s'est rapidement rendue sur place. Débute alors une négociation avec l'homme visiblement agité. Non, hey, officer, it's not, put the knife. Hey, listen, put the knife. Don't shoot me. No, don't shoot. Officer, what to do? Okay, job. Stay back. Don't shoot me. Put the knife. Drop the fucking knife. Put the knife. Where is it? Drop the knife. Yo, cool, alright? Drop the knife. L'échange dure de longues secondes avant que l'homme ne se décide à poser son couteau. Le policier s'approche alors pour récupérer l'arme. Avant que Peters ne fasse machine arrière. Il se fait alors très menaçant. Obligeant un des policiers à faire feu. L'homme est mort en arrivant à l'hôpital. Sa victime, elle, est dans un état stable.